L'annonce de cette journée scientifique et culturelle en hommage à Mgr Tharcisse Tshibangu était faite de manière solennelle par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. C'était lors de la cérémonie de la rentrée académique déroulée finalement à Kinshasa, en lieu et place de Kisangani, parce que selon Moïse Dezin, il fallait justement se concentrer sur les préparatifs de ces hommages. À cet homme dont la vie a été associée à l'évolution de l'enseignement supérieur et universitaire. Mgr Tharcisse Tshibangu Tshisekedi nous a quittés le 29 décembre dernier. Sa vie est profondément attachée aux différentes transformations de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous saluons et louons sa détermination permanente et sa volonté de hisser notre système éducatif au dessert à un niveau, à un haut niveau, tout en lui conservant ses spécificités. Mgr Tshibangu était la vraie bibliothèque vivante de notre secteur. Source intarissable d'idées innovantes et innovatrices, il nous laisse la lourde tâche de continuer à faire en sorte que la conscience éclaire la science. Oui, il nous faut repasser nos modes d'action. Chaque membre de notre secteur, à la lumière de l'œuvre de Mgr Tshibangu, est appelé à redéfinir l'accomplissement de sa mission pour un rendement efficace et efficient. Avis d'honorer la mémoire de Mgr Tshibangu, l'année académique 2021-2022 sera dédiée à la personne de Mgr Tharcisse Tshibangu. À cet effet, les établissements veilleront à organiser des activités en lien avec l'œuvre de ses élèves, à faire connaître ses différentes facettes et à réfléchir sur sa facette théologique, philosophique, sociale, mais aussi sa vision sur l'université de l'État.